Moi, je dirais Julien Herouet, parce que il mène de front ses études, son travail et le rugby, du coup, je pense que c'est lui. Ouais, je suis d'accord avec lui aussi. Alors, je dirais Sam Ezeala. Tout à fait d'accord. Je pense qu'il oublie. Il oublie. Je pense qu'à chaque entraînement, chaque sortie de vestiaire, il oublie quelque chose. Je dirais Nicolas Hugas. Tout simplement parce que une fois, il n'arrivait même plus à monter dans sa voiture, tellement qu'il avait mangé. Donc. Nicolas Hugas, quand il vient nous dire bonjour au self, il préfère regarder ce qu'on a dans l'assiette plutôt que nous regarder dans les yeux, quoi. Tous sont sympas, mais... Moi, je dirais Kylian. Non, non, je pense le plus sympa de tous, pour moi, c'est Charles Villatte. Parce que, ouais, il a la joie de vivre et toujours souriant. Je dirais Guillaume. Guillaume, il est arrivé cette année, il est timide, hein, il est timide. Tixier. Tout simplement parce que il a la tête en l'air, il fait n'importe quoi, il comprend pas grand chose du coup. Nicolas Hugas. Dès qu'il parle, dès que sa voix nous porte aux oreilles, c'est insupportable. C'est l'horreur quand il parle. Personne ne va être dans sa chambre parce que il en place pas une. Je dirais un petit tuto là. Il aime bien faire rire la galerie, quoi. Pour ma part, je pense que c'est Julien Riou. Non, Julien Riou, c'est le plus lourd. Non, Julien Riou, c'est le plus dragueur dans les réseaux sociaux. Mais après, plus dragueur comme ça... Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, mon Julien. Hein? Ouais, plusieurs. Maxence Le Mardelet. Non, pas d'accord. Ah non. Qui? Non, le plus geek de tous, c'est Julien Riou. Julien Riou, il pourrait passer des nuits entières et des journées entières à jouer à la console, quoi. Ouais, mais Maxence Le Mardelet, il est quand même chaîne, il a fait des chaînes YouTube quand même. Ouais, Maxence Le Mardelet, en étant jeune, il a fait une petite chaîne YouTube, mais ça, c'est. C'est quand même à souligner. Qui s'habille le mieux? Ou. Moi, je dirais. Alexandre Fischer, peut-être. Il s'habille bien. Sur un terrain, c'est Julien Riou. Sans hésiter. Ouais, dans la vie de tous les jours, Fischer et Uto, quand ils sont tous les deux, c'est insupportable. Mais... Michael Meunier. Michael Meunier. Ouais, très discret. Très discret. Je dirais Corentin Astier, parce que je pense que il y a tellement de salaires qui sont passés dans, dans les extras. Et après dans la vie de tous les jours, plusieurs personnes je pense. Romain Dagouré. Oui. Romain Dagouré. Jamais content, toujours la tête dans la barbe. Voilà. Plus intello, ouais. Charles Villatte. Ouais, Charles Villatte. Ouais. Charles Villatte, ouais, qui. Charles Villatte, c'est la tête de l'équipe un peu. Qui réussit brillamment dans ses études. Voilà. On tient à le féliciter.